Monsieur Valentine, vous êtes en retard. Oui, je sais. Pour vous, les fonctionnaires, l'heure, c'est l'heure. Mais je ne peux rien contre le vent. Et c'est tout? Qu'est-ce qu'il y a? Vous semblez déçu. Je croyais qu'il fallait un maximum de sécurité. Bien sûr. Si jamais ça devait tomber entre les mains... Mais si, je connais le couplet. Ce sera la fin du monde, sinon. C'est possible. C'est pas croyable. Vous avez vraiment un faible pour le mélo. Vous pouvez me dire maintenant où il faut livrer? Au Hive. Au quoi? Un service d'écoute du ministère. Jamais entendu parler. Eh, ça, c'est pas étonnant. C'est secret. Pour le secret, je crois que c'est raté. Qu'est-ce qu'ils veulent? À mon avis, ils veulent qu'on atterrisse. Pas question. Il faut les semer. Pourquoi vous ne les semez pas? Je voudrais bien, mais ils ont plus de chevaux que nous dans le moteur. Mais où est-ce qu'ils sont passés? Retournez-vous, vous les verrez au-dessus à 7 heures. Ah oui, d'accord, vu. Ils visent délibérément plus bas. Ils tirent quand même. Ils veulent votre invention. Ils essaient de nous forcer à descendre. Mais ils ne veulent pas la détruire. Il ne faut surtout pas qu'ils la récupèrent. Serrez votre ceinture, monsieur Valentine. Regardez, les voilà! Faites attention, Rocher! Quel Rocher? Ils sont pas idiots, hein, ils nous posent vers la vallée. Ça marche. Cette fois, on les tient. Alors, quand est-ce que j'aurai mon argent? Vous aurez votre argent quand nous aurons ce que nous voulons. Rien de bon.
Et quelle est sa fonction, Monsieur Dent? C'est un appareil qui est vital pour la défense nationale, mon cher Beckett. Et nous avons de la chance de l'avoir récupéré en un seul morceau. Mais est-ce qu'on m'a dit la chance n'a joué aucun rôle? Tout le mérite en revient au pilote. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est comment ils ont pu être au courant. Moore, vos services de sécurité vous ont peut-être rappelé depuis, non? Non, il n'y a rien de nouveau. Ballantyne s'est rendu sur les lieux où est tombé l'hélicoptère, mais ça m'étonnerait qu'il trouve quoi que ce soit. Peut-être pas, non, mais tenez-moi informé. Bien, si nous passions aux choses sérieuses, il vaut mieux essayer une des chaînes d'information. Il ne faudrait pas créer un problème trop important. Un nouveau pas en arrière dans les efforts pour ramener de la paix dans le secteur. Sur les lieux, nous avons notre spécialiste Bob Gaydon qui vous parle en direct par satellite. Bob, vous vous trouvez dans la capitale depuis le résultat des élections il y a 2 jours. Alors, d'après vous, est-ce que c'est dramatique pour le processus de paix? Eh bien, à l'heure où je vous parle, les discussions entre le gouvernement et les rebelles sont interrompues. Il est bien évident que les... Il semble que nous ayons perdu Bob. Nous allons donc rétablir la liaison satellite et nous redonnerons si la parole on vous laisse à notre reporter la minute même où on aura réglé ce petit brouillage. Ce petit brouillage s'appelle Sacros. C'est lui qui brouille les satellites. Sacros? Pourquoi Sacros? On dirait un nom d'île grecque. Ce sont les initiales anglaises pour un système de prise en charge des connexions par satellite. Oui, je préfère encore Sacros. Progressé le mois dernier, en dépit des prévisions pessimistes. Le président a d'ailleurs précisé. Et je crois que. Ah oui, il semble que nous ayons de nouveau Bob à l'image. Ça semble bien fonctionner. Joli petit jouet. Superbe comme arme. Presque toutes les communications se font par satellite. Absolument. Résultat, tout ce qui passe par satellite devient très vulnérable. En abaissant un interrupteur, vous bloquez tous les téléphones d'un pays, sa défense, ses transactions financières. On peut immobiliser la moitié de la Terre. Beckett? Allô? Allô? Qui était l'appareil? Beckett, c'est moi. Ballantyne? La femme qui a participé à l'attaque de l'hélicoptère. J'ai retrouvé sa voiture. J'ai placé un traceur à l'intérieur. Je pense qu'il faudrait qu'on se rencontre. Mais surtout pas au Hive. Pourquoi surtout pas au Hive? Je crois que les problèmes viennent de là. Je suis persuadé qu'il y a un complice au Hive. Vous en avez pour longtemps? J'ai presque terminé. J'en ai pour 2 secondes. Oh. Ballantyne? Ballantyne! Je crois que les problèmes viennent de là. Je suis persuadé qu'il y a un complice au Hive. J'ai presque terminé, j'en ai pour 2 secondes. Ça peut être n'importe quoi. Ballantyne était descendu. Je vous parie que c'est une arme avec un silencieux. Ça fait plus de 10 ans qu'un membre du Hive n'a pas été tué en service. Et alors? Et alors je suis sûr que Ballantyne va très bien. Bon, d'accord. Si vous êtes tellement inquiet, j'en dirai 2 mots à Dent. Oh, à propos, il faut que je classe cet enregistrement. Merci, Beckett. Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi ce rendez-vous précipité? Nous avons décidé de prendre Sacros. Nous voulons sortir du Hive. Donc il faut nous fournir les codes d'accès. Comment? Vous voulez le voler au Hive? Mais c'est de la folie, c'est absolument impossible. C'est plus facile que vous ne le croyez. De toute manière, tout ce que nous vous demandons, ce sont les codes d'accès. Vous voulez être payé, je crois. Eh bien, faites ce qu'on vous dit. Puis vous sortez le stylo de votre poche. Vous le pointez vers la cible et ensuite vous branchez l'émetteur. Si vous voulez enregistrer, il suffit d'appuyer sur ce bouton. C'est simple. Excusez-moi une seconde. Allô, les gadgets? Qui êtes-vous? Ross, et vous? Écoutez,
Il faudrait m'éclaircir un fond sonore et... C'est quelque chose d'assez délicat. Oh, là, vous m'intéressez. Je peux parler au type que j'ai déjà eu, Terry. Mais Terry n'est pas là, c'est moi le type maintenant. Bon, on oublie. Doucement! Vous voulez quelque chose? Je peux vous le faire sans problème. Quel est le format d'origine? Mini-disque, cassette digitale, DAT? DAT. Oh, ben alors, il n'y a aucun problème. Je peux vous transférer ça sur n'importe quel support et vous rendre le son tellement clair que vous pourrez entendre une aiguille tomber et deviner l'endroit où elle est tombée. Pardon, vous avez dit? Où je vous retrouve? D'accord. Très bien, j'y serai. Nick Beckett. Très bien. Oui, c'est d'accord. Moi, je m'appelle Ross. Ross Anderson. Salle des enregistrements. Problème mécanique, monsieur. Je vais jeter un œil. Salle des enregistrements, certainement rien. Monsieur. On m'a dit que vous faisiez du souci pour Valentine, si vous veniez m'en parler. Oui, quand? Dans 5 minutes, dans la salle de conférence. Ah, il me faudrait le dossier de Valentine, il est sur mon bureau. Vous pouvez y passer, me l'apporter en descendant? Bien sûr, j'arrive, monsieur. Je peux vous aider, Monsieur Beckett? Non, merci, je cherche un dossier pour Monsieur Dent. Mais oui, bien entendu. Il a appelé sur la ligne intérieure. Monsieur Dent est absent jusqu'à la fin de la journée. Je viens de parler à sa secrétaire. C'est impossible. Il vient de me demander d'apporter un dossier. C'est persuadé que nous trouverons une explication. Notez-le dans le registre des incidents et on n'en parle plus. Le règlement intérieur... Je connais le règlement, merci. D'accord, fouillez donc, Monsieur Beckett, comme ça vous pourrez constater que rien n'est disparu. Je vous assure que vous perdez votre temps. Il y a un problème, Nick? Pas mal, cet appartement pour quelqu'un qui a votre salaire. Oh oui, bien sûr, je le paye en volant des cassettes au bureau. Mais je ne trouve pas ça drôle. Et moi, j'ai l'air de rigoler. Fouillez partout. Vous auriez dû signer pour cette cassette. Vous connaissez la procédure. Monsieur Cottrell,
maintenant, juste à l'heure. Démarrez vite. Vite. Bonjour. Descendez de la voiture. Vous n'allez pas m'expliquer ce qui se passe, c'est trop demandé. Dès que j'aurai deviné, vous serez la première au courant. Ils sont du Hive aussi? Ouais. Comment vous savez ça? J'ai fait mon enquête. Alors qu'est-ce qui se passe? Ils ne veulent pas vous rembourser votre parking? Pourquoi? J'ai l'air malhonnête. D'accord. Qu'est-ce que vous faites? Attention! Trouillard! Ah, ils sont obstinés, hein? J'ai bien raison de dire que je ne suis pas assez payé pour ce que je fais. Il croit que vous avez trahi. Et en tout cas, quelqu'un se démène pour que tout le monde le croit. Remarquez, pour certains, ça paraît très plausible. Avouez-le. Vous êtes bien entré dans une base pour voler quelque chose en 87, sorti sans autorisation en 89, et passé en cour martiale pour refus d'obéir il y a quelques années. C'est top secret. Une jeunesse un peu mouvementée, monsieur Beckett. Oh, une jeunesse mouvementée, moi. Sans parler un peu de vous. Quoi, moi? Branchement illégaux, pose de micro, traficotage de téléphone. Vous avez relié la ligne directe du ministre des Affaires étrangères à celle d'une boutique porno à Tokyo. Et ça, je suppose que c'était pour plaisanter. Comment vous avez découvert ça? En faisant comme vous, en cherchant dans les fichiers. Seulement moi, j'en ai le droit. Monsieur Beckett? Hein? Je ne sais pas combien vous voulez me payer, mais le prix a doublé. Qu'y a de si important sur cette cassette? Eh bien, c'est ce que j'espérais trouver grâce à vous. C'était très impressionnant. Votre façon de semer Cotterelle. Un peu de café? Oui. Oui, merci. Cotterelle est un perfectionniste. Il n'abandonnera jamais. Viens ici, toi. Qu'est-ce que... Ed? Vous le connaissez? Bien sûr, il habite dans l'immeuble en haut. Beckett, je vous répète que c'est mon voisin, lâchez-le. Vous ne recommencez pas. Très bien, excusez-moi, je vous ai pris pour quelqu'un d'autre. Je m'en suis aperçu. Nick Beckett. Ed. Ça vous prend souvent d'escalader l'immeuble en passant par les balcons? S'il faut tout vous dire, je rentrais tranquillement chez moi. J'ai horreur des ascenseurs. Il fait toujours ça. Quand je suis venue m'installer, personne ne m'avait dit qu'il y avait déjà Spider-Man. Ed, tu peux pas savoir la journée qu'on a passée. Beckett travaille pour... Enfin, je crois que je devrais dire, il travaillait pour une boîte qui s'appelle Hive. Et à première vue... Hive? J'ai fait un travail pour eux hier. Tu plaisantes? Non, et on a essayé de me descendre. Et attendez, vous êtes le pilote de Ballantyne, c'est ça? Vous avez livré sa crosse? Ballantyne? Oui, c'est bien le nom du type, c'est un de vos amis? C'était. Il est mort. Enfin, je crois qu'il est mort. J'ai entendu un coup de feu. Je crois entendre un coup de feu sur l'enregistrement. Le problème, c'est que ma cassette alors, est arrivée. Alors, c'est le son sur cette cassette que vous me demandiez d'éclaircir. C'est ça, oui. Ah. Mais peut-être que je suis fatigué. Pourquoi vous ne retournez pas chercher la cassette? Parce que je suis recherché. Et le Hive a un tel système de sécurité que la Banque Nationale ressemble à une passoire. Ça paraît intéressant. Ça veut dire? Ça veut dire... que j'adore les défis. Ce Ballantyne, il semblait plutôt sympathique et s'il s'est passé ce que vous dites, je suis décidé à vous aider. Si vous avez une idée, n'hésitez pas. Ça, c'est dangereux. On croise les doigts, Ed.
La caméra sur le casque fonctionne très bien. C'est dément ce que vous faites. Je m'ennuie si je ne risque pas ma vie une fois par jour. Et deux fois les jours fériés. Bon, cette cassette, elle est bien au dernier étage. Ouais. Ça aurait pu être pire. Ça y est, j'y suis. Vous êtes sur le côté droit. Il y a une fenêtre dans la tour devant vous, plus bas. Par là ? Oui. Au fait, on se tutoie, on gagnera du temps. C'est ça, c'est la fenêtre. T'as pas trouvé plus petit ? C'est la seule qui soit ouverte. Il y a un couloir derrière. Ed, il ne faut pas couper les contacts sur la fenêtre. Utilise les dérivations que je t'ai données. Ne touche pas les contacts. Si l'équipe de nuit est aussi efficace que celle de jour, tu as environ 30 secondes. Il faut dégager. Mais elle est pourtant quelque part par là. Ed, dégage! Il y a un visiteur tout en haut. Ça y est! Je viens de la trouver! Elle était sur le bureau de Cottrell! J'aurais dû deviner. Si t'avais deviné, effectivement, je me serais peut-être épargné quelques problèmes. J'en ai pour 2 secondes. Il n'y a aucun doute. Quelqu'un reçoit une balle. Désolée, Beckett.
Mais il y a un son derrière. Un peu avant, en arrière-plan, il y a un bruit. C'est quoi? Attends, on va écouter. Vous en avez pour longtemps? C'est une voix de femme. C'est probablement elle qui a tué. Il y a un autre bruit en arrière-plan, écoutez. C'est un bruit mécanique. Entre nous, pourquoi voulez-vous le savoir? Parce que si je peux trouver l'endroit où Ballantyne a été tué, il y aura peut-être un indice. Lequel? Ballantyne, s'il avait un suspect en vue, aura certainement mis une puce sur sa voiture. Malheureusement, la portée de ce genre de puce est assez limitée. Exactement. Donc, si on trouve l'endroit où Ballantyne a été tué, on pourra peut-être repérer la fréquence. S'il vous plaît, c'est tout ce que j'ai. Je peux peut-être éclaircir le fond sonore. Je pense qu'il faut qu'on se rencontre. Ici 15 centrales. 15 centrales. Prochain arrêt, Riverside Gardens. Merci. Ça y est, je crois que j'ai ce que tu voulais. La puce de Ballantyne? Oui. Et c'est la fréquence qu'il utilisait? Ça en a tout l'air. Quelle direction? Le nord. Alors on prend la voiture. Vous venez? Voilà, on y est. C'est la voiture de la femme. Ross, qu'est-ce que tu fais? Je me branche sur l'ordinateur de la compagnie de téléphone pour savoir qui habite ici. Bon, il y a un système d'alarme qui est établi au nom d'Elena Johnson. Personne n'en a entendu parler? On va jeter un œil dans le coin. Attends une seconde. On sait que c'est elle. Pourquoi on prendrait des gants? Écoute, Ed. Un type chez Hive veut me faire plonger. Je veux savoir qui c'est clair? Attention! C'est elle. Allez, viens, Ed. Ed, tu vas la suivre? Moi, je vais avec Ross à l'intérieur. Tiens, ça c'est pour toi. Qu'est-ce que c'est? C'est un traceur, que je puisse te retrouver. T'inquiète pas, je me perdrai pas. J'ai encore des jours de vacances à prendre. D'accord, si tu veux. Je faisais ça pour toi. Un traceur. Et pourquoi pas une sirène? Vous devez avoir l'habitude de faire ça. Seulement dans l'intérêt national. Oui, bien sûr. Bon, je vais monter. Et c'est pour demain. Écoutez, c'est moi qui les programme. Personne d'autre ne connaît les codes. Alors vous avez quelque chose pour moi? Votre paiement? Oui. Tout est en ordre, rassurez-vous. On commence par une petite avance pour vous récompenser de votre immense patience. Oh, vous ouvrirez plus tard. Bon, apprécions notre repas. Commandez pour moi, s'il vous plaît. J'en ai pour une petite minute.
Tiens. Merci. Qu'est-ce que tu fais ? Je donne un coup de neuf à une vieille photo qu'on a trouvée chez Elena. L'ordinateur va la vieillir. Ah ouais. Les Américains ont eu cette idée pour tenter de retrouver des enfants. On l'utilise aussi à Ive. Une petite minute. Mais c'est ce qu'on a sur notre centrale, Ive. On devient intelligent. Et tu veux le vieillir un peu ? Je crois que je connais cette tête-là. C'est ce que je vais faire. Il te faut longtemps ? Deux petites minutes. Excuse-moi. Allô ? Beckett ? Monsieur Dent ? On a fait de belles bêtises, dites donc, Beckett. Un petit conseil. Méfiez-vous des femmes qui conduisent bien trop vite. Sur les ponts. Désolée, mais j'ai pas pu résister. Je cherchais comment ils avaient procédé pour te piéger. Ça ne pouvait être qu'une combine de genre. Quelqu'un l'a enregistré puis employé un synthétiseur vocal. Et toi, comment tu as pu avoir un échantillon de sa voix ? C'est plus facile que de rentrer dans le système de vieillissement de Hive. C'est comme ça que M. Dent a passé un coup de fil interne alors qu'il n'était pas dans l'immeuble. Bon, si ce n'est pas lui qui a téléphoné, qui est-ce ? C'est lui. Attends une minute. Beckett. Tu connais ce type ? Je connais ce type. Je travaillais pour lui, c'est Cottrell, mon patron. C'est curieux. Si la taupe, c'est Cottrell, ça veut dire quoi, ce numéro ? Aucune idée. Mais je ne pourrais pas me blanchir avant de l'avoir découvert. Allez, en route. Nick, j'ai du nouveau! Le traceur. Au cas où je me perdrais. Quelque part. Bon, d'accord. On va chercher Cottrell en espérant qu'il nous mènera à Beckett. Merci. Merci beaucoup.
Il approche, Ross. D'accord. Venez, mesdames. Bonjour, monsieur. Oh, vous m'en achetez, monsieur ? Une fois dans l'année. Oui. Merci. Attendez, je vais vous l'accrocher. Faites vite. Merci. Monsieur ? Le ciel vous le rendra. Merci, madame. Ça va. Ça roule ? Oui, je pense. Ça ira tant qu'il n'enlèvera pas sa veste. Bonjour, monsieur Cottrell. Et qu'est-ce que vous voulez ? Sacrosse. On fait de nouveaux essais. Mais monsieur Dent est venu me dire que son accès devait être autorisé. Mais oui, bien sûr. Je ne peux pas vous laisser le prendre sans l'autorisation de monsieur Dent. Ah. Et ça, ça ira ? Oh ! Il l'a tué. Voir Sacrosse. Quelles sont les chances de Beckett maintenant ? On dirait qu'ils partent pour l'étranger. Il vaut mieux que tu files chez Elena, Johnson. Ne la perds pas de vue. Vous avez volé Sacrosse. Et maintenant, vous allez créer le plus grand racket de protection du monde ? Disons que les satellites sont sur le point de devenir bien inutiles. Sauf si on décide le contraire, bien sûr. Combien payez-vous Cottrell ? Combien je le paie ? C'est un partenaire, et depuis très longtemps maintenant. Et avec l'apport de Sacrosse, nous allons pouvoir devenir très riches. Allô ? Ça y est, je l'ai. Je m'en vais maintenant. Je te retrouve à l'endroit prévu. Et ensuite ? Non, attends. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a quelque chose de curieux. C'est pas vrai. Ils nous ont repérés. Oui, je sais, merci. Je suis juste devant chez Elena. Ils ont entendu notre conversation. Alors je vais le tuer. Tout de suite. Je suis sûr que Beckett est là. Il faut que j'entre. L'heure est venue, Beckett.
a quitté le Hive. Je suis à peu près certaine qu'il se dirige vers l'aéroport maintenant. Ross s'occupe de Cottrell. Il se dirige vers l'aéroport. Tu le suis, je suppose? Non, je vais passer vous prendre. Je crois que je connais un moyen pour les pousser à changer leur plan. Allô? C'est moi. Bonjour, chérie. Tu t'es débarrassé de Beckett? Il est mort. Bonne nouvelle. Je crois qu'il faut éviter... L'aéroport, tout le monde nous recherche. Alors écoute, j'ai une grande idée. Il a marché sans problème. On va voir si t'es capable de jouer la comédie. Il faut changer de plan. On ne passera jamais les migrations. Tu crois? Tu parles pour toi? Ils n'ont sûrement pas mon nom sur l'ordinateur. On sait de faire rien. J'ai déjà tout arrangé. J'ai trouvé un pilote avec un hélicoptère. Il peut nous emmener à Paris. Et là-bas, on prendra un avion. J'ai eu une très mauvaise expérience en hélicoptère. Tout se passera bien cette fois. Entendu. Où est-ce qu'on le retrouve? Ça y est, on a des conditions idéales de décollage. Bien reçu, Alpha Beta. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as les nerfs qui lâchent? Bah, c'est pas ce qu'on dit dans ce genre de situation. Moi jamais, non. Et pourquoi tu décolles seulement maintenant? Pourquoi? On peut pas garer un hélicoptère n'importe où comme un vélo. Idée de louer un hélicoptère. Mais je n'ai pas loué d'hélicoptère. C'est toi qui m'as appelé pour qu'on se retrouve ici. C'est toi qui as appelé. C'est pas vrai, quel idiot. C'est un piège. Faut filer d'ici. Attention, Ross. On dirait qu'ils ont compris ce qui leur arrivait. Pas de panique, ils n'iront pas loin. Non, les accroche pas, tu pourrais abîmer sa crosse. Je savais que c'était une erreur de te laisser conduire. Et dire que j'ai déjà mal au dos. Mais t'inquiète pas pour la peinture. Il va falloir qu'on arrête de se voir dans les voitures. T'as pas mal au cœur, c'est déjà ça. Et espérons que Sacro s'est moins secoué que moi. Ouais, ce serait dommage d'avoir fait tout ça. Pour le retrouver en mille morceaux. Ils vont nous semer. Non, pas du tout. Ils en donnent l'impression, c'est tout. Ils vont nous semer. Pas du tout. Non, pas du tout. Non, ils nous sèment pas, on est juste en position d'attente, paraît-il. D'accord, mon grand. Heure d'arrivée prévue sur les lieux environ... Disons bientôt. Rouge-toi. Oui, d'accord, d'accord, je suis prêt. Fais attention. Et où est-ce que tu vas? Ce n'est pas la peine de nous tuer. Où elle va, cette route? Aucune idée, elle est pas sur la carte. Tu vois? Vous les assemez, c'est fini. Wow, vous êtes là? C'est pas trop tôt. La route n'est pas finie, arrête! Freine! De travail pour créer sa crosse. Et regarde-moi ça. Voilà. Tes chances de retrouver ta place viennent de partir en fumée. Ouais. Il va falloir que je lise les petites annonces dès ce soir. Pas nécessairement. J'ai une proposition qui peut t'intéresser. Toi aussi, Ed. Non.
Un cadeau pour moi? Oui. Bien sûr. Moi, je dirais plutôt qu'on te rapporte quelque chose. Oh. Ma pauvre voiture. Eh oui. Alors, on ne sait pas quel modèle c'était avant, mais... aujourd'hui, c'est une compacte. Oui, très franchement, elle est probablement mieux comme ça, vu ta façon de conduire. Il y a un avantage que je peux pas nier. Ça va être du gâteau pour me garer.